Bon, ben, le chapitre 4 est déjà fini, donc chapitre 5, nouvel épisode. Voilà. Capitaine Bell. Ben, écoutez, c'est un nouvel épisode, le chapitre 5. Le chapitre 4 a été très rapide, on a juste tombé dans une baleine. Ouais. Ok. Donc, on arrive à une île avec un bateau de pirates. Étrange. On n'est pas les seuls qui peuvent naviguer. J'espère. Oh, Bell Cola. Donc, bon, la capitaine Bell. Je veux être un héros comme le capitaine Bell. British Captain Bell. Ah bon? Il est British en plus. Not my papa, idiot! Ok. Une fois d'idiot, on vient d'arriver. Ah oui. Il y a 128 ans. Bien sûr, on te croit, monsieur. C'est beau, Tim, là. C'est beau, Tim. Ok, c'est une belle maison. Non, il y a encore un poète en haut. Non, je disais, une poète. Il est poète. Bon. Il dit que c'est impossible d'être hétéro. Miso, my bad, miso. Miso, my bad. C'est quoi, my bad? Hein? Ma cloche. So. Mais bon. Miso. Ça doit servir. Miso, c'est la soupe. Sol. Miso, c'est la soupe. Ouais, mais je pense que c'est des notes. Là. Ouais. Miso. Peut-être qu'il y aura un problème musical. Qui sait? Je me suis réveillé plus tôt pour attraper des poissons, un oiseau et un ver de terre. Quoi? Bon. Bon, on va essayer de rentrer par infraction. Infraction. C'est pas un succès. Pas là. Pas un succès. Ah. Bon, allons parler au monsieur. Fait que je peux monter à parler au monsieur. Voilà. Hé! Hey, ce n'est pas en santé. C'est lui, Belko, là. Voilà. Ah, un chef voyageur nous a envoyé une lettre de l'île C, dont l'île où on est atterri au début du jeu. C, D, E, F. Non, on serait à G. Ouais. G. G. Bon, mais c'est Bell Island. C'est beau. C'est Bell Island, là? Hein? C'est vraiment Bell Island? Non, mais c'est Bell Cola. Ouais, c'est la ville, mais les villes non, sont pas les mêmes. Ouais. Bon. G. Secret. Le secret de l'hétérosexualité, c'est ça? Un straight? Le secret de straight. Mais je suis pas sûr. Est-ce que tu me promets de garder ce secret? Ça a l'air. Bon, je te crois. Écoute attentivement. En 1680, le British Captain Bell. Bell, le pirate invading Ireland. Ok, il a attaqué l'île avec des pirates. Il s'est combattu. Il a combattu les pirates puis il envahissait les bois. Le straight, c'est le chemin. Bon, il a sacrifié le chemin. Donc, son bateau est plus accessible. Ça veut dire que depuis genre 300 ans, il y a personne qui a juste comme déblayé la petite roche puis aller voir de c'est quoi qu'il y avait dans le bateau. Ah, ok, le père de, le fondateur de l'île. Un secret dans les cavernes pour ouvrir le passage. Mike, ce n'est pas facile d'entrer dans la caverne de Bell. Tu vas avoir l'aide de Peter Pan. Peter. Good luck. C'est qui ça, Peter? Il vole, là. Il y a une feuille. Il était bien en vert. C'est toi, Peter? Pas Link. Ben, Peter, ça. Peter, c'est gros? Non. Pas de Peter? Pas avec lui. Face de Peter, check la moustache. Oui. Mm. Si, c'est Peter. Ça ressemble à Dom Massy. Humoriste Dom Massy. Peter. Il peut être un kill, là. Peter Pan. C'est lui? Peut-être. Non. Il y a un autre kill en bas. Une madame? Non, mais un kill là-bas. Bon, il est fini. Ouais, il est peut-être en dehors du village. On te kidnappe! Bon, allons-nous-en. Chemin. Il y a deux villages en plus. Le même village. Ouais. Mais par là-bas. Par la forêt. Comment ça fonctionne par là?
Ah, mais c'est un oiseau, le Peter. C'est clair. Personne nous a dit que c'était un perroquet. Peter perroquet. Wow, il est bien fait. Je suis Peter. Pas de cadeau, pas de discussion. Ah, fait qu'il faut un cadeau pour... Il mange quoi? Peut-être des biscuits. Ah, des valetins. T'as vu des valetins? Je sais pas trop. Ah, ben, ok. Oh, pas tout. C'est quoi? Nous cherchons l'aide épique. J'ai... Ah, il y a un signal. Je vais t'alerter. Fait qu'on s'en va où? Chercher des vers de terre. Il mange des vers de terre. Des biscuits ou n'importe quoi. C'est le perroquet, ma perte. On peut pas passer la ronde. Oh! Un passage sous. Parce que on est en train de traverser l'océan d'une façon tout à fait étrange. Oh, ici! Reviens, reviens, deux en bas. C'est tout ce chemin pour aller chercher du manche pour un perroquet. Ça coûte cher de gaz un sous-marin, monsieur le perroquet. Moi, je l'aurais juste pogné. C'est Hook! J'aurais dit. Peter Pew! Ah, ben oui. C'est une référence à Peter Pan, tout ça. Ah, lui aussi, il se réveille tôt pour pêcher. Il dit le même dialogue que l'autre petit gars. Bon, merci pour le verre. Wesh! Le mets dans mes poches avec plaisir, merci. Moi, sérieusement, j'aurais pris le perroquet, je l'aurais brassé un peu. Là, il y a un passage là, c'est sûr. Je l'aurais brassé un peu. Ou en bas. Pis s'il veut pas, je m'excuse, là, mais tu casses le cou. Ou tu menaces, tu casses le cou. Je veux dire, la vie de ton oncle est en péril, là. Ouais, plus important que les désirs de monsieur le perroquet. Oh, c'est quoi ça? C'est ça, un gros piano. Ah, Miso. Miso. Maintenant, Captain Bell Memorial Voyage. Et dans le fond, le perroquet va juste nous dire les notes. Fait que c'est le perroquet qui donne les notes. Ouais, mais je suis mi sol. Oh man. Mi, vis-à-vis toi. Ça, c'est mi. Ouais. Ouais. Mi sol, fais-le deux fois même. Non. Ben, il doit nous manquer des notes, tout simplement. Ouais, ben, et Maybell, je sais pas. Il y a un piano. Bon, on a découvert un gros piano dans un mémorial pour le Captain Bell. Étrangement, sur une autre île, que les gens ne peuvent pas vraiment aller. Ils peuvent prendre leur bateau, aller sous l'eau, se rendre jusque-là, mais ils ne sont pas capables de tout simplement... Toucher le bateau. Aller au bateau en bateau, mettons. Ça me manque. Il n'y a pas un passage pour aller là, non? Non. C'est long, tout ça. Bon. Ça, c'est le début du moment où ils ont réalisé qu'en nous faisant backtracker dans les jeux, ça allongeait la longévité du jeu. C'est des bonnes idées, ça. C'est ça? C'est en haut. T'inquiète pas du haut. Bon, pour un gros tour. Normalement, on va accélérer le bateau. Bon, à l'autre portée, des vers de terre, hein, un perroquet en plein comme ça. C'est nul. Salut Peter, je m'appelle Peter! Non, yes! Oh. Tu y as donné un vers de terre. Oui, un cadeau! Wah-wah! Bon matin, Captain Bell. Bon matin, Captain Bell. Cache Peter. Cache. Ah! Do, mi, so, fa, do, mi. Do, mi, so, fa, do, mi. Parfait. Do, mi, so, fa, do, mi. Do, mi, so, fa, do, mi. Do, mi, so, fa, do, mi. C'est bon.
Domi sofa, domi. One, three. C'est comme ça. One. Then you, ensuite, tu vas entendre une flamme. Ouais. Trois. Cinq. Et quatre. C'est exactement ça comme ça. Ensuite, encore un, trois. On avait tout bon. Ils sont même sortis du building, j'ai rentré. Ok. Non, là, là, bon. Ok. Fallait ça, fallait accepter. Bon. Ouais, c'est un autre donjon. Et c'est l'heure de donjon! Même pas. Bon, là, au début, il y avait plein de donjons. De plus en plus, c'est des. Des poissons compliqués. Non, j'ai pas compris. Oh. Ça, on aime ça. C'était compliqué. Neuf cœurs. Ouais, ça en prend 11 pour utiliser la prochaine arme. Faut qu'on ait au moins 11 cœurs. On est loin de ça. Mais on est au chapitre 5 sur 8, je crois. C'est pas super. Un peu que la moitié de fait. On peut pas revenir dans tes îles. Bon. Vu que j'ai fait tout le donjon, c'est à ton tour. Ouais. Je suis gentil. Faut que tu me la joues entre les donjons, c'est mon meilleur un peu. Oh, ah, ça marchera pas, il fait trop court. J'ai déjà fait moi ça. J'ai fait un passage. Je suis pas prêt. Il est vert et brun, il est couleur du caca. C'est très naturel. Ta vie, là, fait que. Plutôt pas touché. T'as vu que personne m'a rien donné. Est-ce que vous avez vu ça à la maison? Une maison des cœurs. Ben oui. C'est une musique de boss en partant. Oh oh. Oh oh. Non. Moi, je pensais qu'il allait avoir un bon repas. Ah! Ah! Ok, c'est vraiment la caverne de... d'Indiana Jones. Ah! Elle va sortir d'où la prochaine épée au milieu? Je sais pas. Ah, c'est papa. Clairement un piège. Il y a des vies, hein. Full vie. Ou des moins. Ça, c'est assez fun des moins, ça. Ah, c'est pas des moins. Bon. Ça va falloir loader. Ça drôle. Ah, une pièce remplie de monstres. Oui. Quel monstre? Ouais! Il y a quoi derrière cette porte? Peut-être c'est le vide. C'est bien drôle. Là! Holy fuck! Ben, c'est le bon chemin, c'est juste que c'est pas par là que tu vas y arriver. Ok,
pieds, ouais. Là, tu descends. Tu passes à travers le mur, là. Partout. Ouais, tu descends dans l'escalier en bas, c'est juste ça. Ah non. Ah, oh, regarde. Faut que tu reviennes. Ouais, tu peux passer là en bas. Oh. Vraiment dans l'escalier du coin là en bas. Là. C'est méchant ça. Et là, il y a un passage là. Ici. Et là, juste en dessous là. C'est super tout ça. C'est ça, là. Il y a deux cœurs qui nous manquent, ça agace. Là, saute vite. C'est complètement par la main. Oh man. Aujourd'hui, à Faites traverser grand-mère, nous allons fondre le plancher en dessous d'elle pendant qu'avec sa marchette, elle tente de rejoindre son époux. Mais c'est plus bas. Sois patient. Ok, avance d'un. Sois patient. Bon, deux d'abord. T'attaques pas. Ok, go! Oh! Ah, c'est là en bas au cas où. Ah, ok, bon. Donc, ça veut dire des fantômes! Des salauds. Ou des parfums ou des salauds. Un bon temps pour tuer le fourmonce. Oh! Ça doit prendre le miroir pour les pirates. Les pirates fantômes. Parce que ça sert à quoi les tuer? Sûrement, hein? Non. Non? Tu penses pas que ça servait à quoi? Non. Ah, ça, ça veut dire des fantômes. Ça, c'est chiant. Ce serait mieux d'attaquer celui d'en bas. Parce que ça te laissera pas grand. Non, mais mets-toi pas à côté, c'est ça. C'est ce que je veux dire. C'est mieux de te mettre le plus de distance entre toi. Puis... Tu veux-tu que je regarde là-bas? Ouais. Ok. Bon, c'est pas ici. C'est pas là. C'est sûr, non? Ben, de toute évidence. C'est un endroit de merde. Plus, c'est quoi que ça veut dire plus? Je suis sûr que plus, c'est un message codé. Ben, il y a ça sur la manette. Sur... Oh! Passage. Il y a ça sur... Il y a un peu sur la manette de la Switch, la Nintendo Switch. Donc, selon moi, ici, Nintendo, en 91, ont voulu nous faire un hint sur la NX. C'est over analyse de merde. Je suis pas mal certain de ce que j'avance, en fait, Alex. Comment tu vas faire ça? Ah! Ouais! Exactement tout le temps du monde. Ah! Ça agace, ça? Et on remarque que cette fois-ci, c'est pas une boule de quille bleue, c'est une boule de quille qui a trempé dans le fumier. Elle est verte. Ouais, oui. Ok, mais. Hmm. C'est encore une affaire de. On peut faire tout le tour de la pièce. Ça a l'air. Donc, je suis pas d'accord avec cette affaire-là. On a perdu notre super yo-yo. Fort, ça, s'il vous plaît. Ah, la porte reste là, parfait. Au poivre. Fait qu'ici, tu fais apparaître un fantôme. As-tu déjà touché à ça un bat? Donc quelque chose, hein, ces petits fantômes-là. Quand ils bougent pas dans le mur. Hein.
stocker ça. En bas. Tu trouves pas que t'en as assez, Alex? Je veux tous les bonus. Un bat pis de jus. Tout. Tout, tout, tout. Tout. Tout, 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 tout. Et nous, ta poisson, tu vas la perdre après ton manche. Bon. Marches-tu là-dessus, là? Non? Je sais pas. Ils n'ont pas de l'air. Pas les monstres les plus tough, hein? On va montrer le, dans ce travail sur ce 6 avec le coin de l'air. Faire avec le fantôme. Fantôme. Ce que je trouve surtout chien de ce système-là, c'est que si tu les as toutes gaspillées à quelque part, là, t'es juste bloqué. Tu peux plus. Tu meurs, puis. Ah. Tu recommences. Wow. C'est pour me rappeler de le couper au montage. Oh là 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 là! Sac! Ça va être bon à la corde à danser, toi? Non, oui. Je cache pas. Il n'y a aucune explication logique. Ah! Ça apparaît pas dans ça, hein, je pense. Oh fuck. Oui, ça apparaît dans ça. Ce tableau est cruel, là. Hein? D'accord. Oh! Cours, 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 cours. Ah! Ouais, t'as raison. Eh, c'est intense. C'est long, ça me tombe plus de temps. Ah! Oui. Le. L'aune, hein. Là, il est bloqué, non? Ouais. Genre, ça existe, ça fonctionne. Elle veut ta mort, c'est clair. Ça me rappelle une pièce. Voilà, ok. Ah! Yeah! Hey, c'est long ce donjon. Pour être juste comme une. Oh, tu les autres. Non, c'est juste celle-là. Yeah! Une étoile en plus. Qu'est mon pirate? Qu'est mon. Oh! J'ai pas le trouvé. Qu'est mon pirate? Yes! Non, on va pas là. Oh! Ouais. Un puits. Puis-je vous aider? C'est beaucoup trop mauvais pour moi. Ok. Ah, c'est un bon coup de batte de baseball, ça. Ça arriverait. Non? La porte est fermée. Il doit y avoir un fantôme. Oui. Même pas. Ok. Ah! En bas là. On passe au travers des murs pour s'en aller en arrière. Je pense qu'il y a des grottes. Lui, il le voit, mais il est trop caf pour nous le dire! Pour lui, c'est un beau passage. Encore, encore. Waouh! J'ai aucune idée pour en avoir fait ça. Hein? Pour ouvrir le passage. Ça va ouvrir le passage. Regarde. Le bateau va sûrement bouger. On est revenu là? Tu peux-tu bouger? Attends, que nous existe. Ah, c'est même nos pirates. Tu peux pas bouger. Hi ho ho ho. Captain Bateau, allez. Oh! Cool! Ah oh ouais, on l'a fait couler. Repose en paix, bateau. Wow, il est donné! T'as détruit l'héritage et les trésors. Va-t'en vite du village, parce que les gens vont être en tabarnak après toi! Fait que c'est ça, t'as détruit notre bateau.
Ah, il passe. Mais nous, on peut s'en aller! Fuck you! C'est parce que c'est un sous-marin qu'on avait, on aurait pu passer en dessous. Et voilà, ça conclut cet épisode.